Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, car nous ça va super bien. Je suis avec bébé, il est en train de manger. Voilà, donc j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous ayez fait le pont ou pas. Écoutez, nous on a passé un très bon week-end, mon mari a fait le pont, on en a profité, on est parti manger chez ma belle-sœur, faire des grillades. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait des courses, on est parti à la plage, enfin au lac, avec bébé, ma grande et le neveu de mon mari, parce que Kanal était chez son papa. T'étais à la plage? C'était bien la plage? Ah. Alors, on faisait quoi à la plage? Qu'est-ce que tu as fait? Oui. T'as mangé. Papa. Il y avait papa à la plage, il y avait Yaya. Oui. Johan. Oui. Maman. Tati. Non, Tati, elle était à la maison, mais on a mangé chez Tati. Oui. C'était bien? Tu as passé un bon week-end? Oui. Est-ce que tu as aimé la plage? Oui. C'était chouette? Oui. Bon. Bon ben voilà, donc du coup, alors j'ai pas vlogué parce que franchement, voilà, j'avais pas envie de sortir mon téléphone, le bus s'est amusé, on a bien joué, j'ai bronzé, j'ai pris des coups de soleil, je sais pas si vous verrez là, mais alors là, dans le dos, ouille, ça fait mal, j'ai pris un peu de couleur, mais bon voilà, les coups de soleil à chaque fois, c'est pour moi. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, on est lundi, je sais pas si je vous l'ai dit. Oh là, le rouge à lèvres qui bave. On est lundi, tout le monde a repris le chemin de l'école et du travail. Nous, avec bébé, moi je me suis levée à 5h30 pour les petites. Ça piquait, hein, parce que là, j'avais perdu l'habitude, là, quelques jours de repos. Mais bon, écoutez, c'est pour la bonne cause. Et du coup, aujourd'hui, j'aimerais aller à Lidl parce que je n'ai plus de coca. Donc ça, c'est très, très grave. Pour ceux qui me suivent, hein, vous savez, j'ai utilisé pour me maquiller deux produits. Je voulais montrer un stick contouring et un petit peu d'highlighter. Alors, c'est très léger, mais moi, j'aime le maquillage léger. Je n'aime pas. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai les cheveux beaucoup plus courts. Et oui, ma fille m'a coupé les cheveux. Oui, ben écoutez, dimanche soir, sortie de la douche et on a coupé. On a coupé ça, mais vraiment, c'est pas la Marseillaise. Hein. Mon papa est marseillais, c'est pour ça que je dis ça. Tout ça, mais vraiment, hein, j'ai enlevé tout le blond qui me restait. Donc là, c'est que ma couleur naturelle. Donc vous voyez, bon, il y a des cheveux blancs. Hein. Eh oui, la vieillesse. Mais voilà, donc du coup, je suis très contente. Je les lisserai dans la semaine parce que normalement, vous me voyez toujours les cheveux attachés. Mais normalement, j'ai les cheveux détachés. Et là, grâce au coup de ciseau de ma princesse, je vais pouvoir les redétacher parce qu'ils étaient très longs. Et flemme d'aller chez le coiffeur, payer 40 euros pour qu'elle me coupe ça. Franchement, stop. Avant, je faisais des balayages blonds. Et j'ai arrêté parce que je voyais que ça abîmait mes cheveux et que ça coûtait extrêmement cher. Mettre 200 euros pour faire des mèches, je n'ai pas les moyens. Et puis, y retourner tous les 3 mois, non. Donc, j'ai laissé mes cheveux naturels. Alors, au début, c'était très compliqué parce que ça fait des années que j'étais blonde. Mais blonde, hein. Et ben voilà. Ben maintenant, j'ai retrouvé mes cheveux d'avant et je vous assure qu'ils vont beaucoup mieux. Ils sont plus du tout épais paille. Honnêtement, je suis trop contente. Donc voilà. Donc dimanche, voilà, on a coupé les cheveux. Iliana se coupe les cheveux toute seule. Elle se fait une raie au milieu, si j'ai bien compris. Elle se fait deux couettes qu'elle ramène là avec un élastique et elle coupe en dessous. Et honnêtement, c'est parfait. Moi, là, juste, elle m'a mis le cheveu bien droit dans le dos et elle a coupé. Franchement, elle a coupé beaucoup, beaucoup. On y était allé en deux étapes. On a coupé une première fois, elle a pris une photo. Elle me dit, moi, j'enlèverai encore ça, maman. Et je dis, allez, vas-y, coupe, ma chérie. Donc, voilà. Donc, on a coupé les cheveux. Et oui, donc, je voulais aller chez Action aussi pour voir s'ils ont reçu les petites nouveautés maquillage. Et faire un petit tour. Et à Lidl, donc à Lidl, je dois chercher des yaourts, des glaces. Oui, ah oui, elle a dit oui, c'est ça, je regarde. Des glaces, tu veux qu'on aille acheter des glaces. Qu'est-ce que je voulais d'autre? Du coca. Et puis voilà, je pense que ça va être tout. Ce soir, j'ai pas encore pensé au menu. On verra ça, comme vous savez, j'ouvre le congélateur et on voit ce moment-là. Et puis voilà, là je dois aller faire un petit brin de ménage dans les chambres et tout, parce que ben là on s'est laissé aller, on a profité et j'avoue que hier j'ai dormi. Oui, vous entendez bien, j'ai dormi, je fais la sieste et tout, ça fait
du bien, même bébé a dormi, mon mari aussi. Il n'y a que ma fille qui était studieuse et qui préparait son oral de brevet. Donc elle fait ça sur la danse afro, je ne sais pas ce qu'elle a choisi comme thème. Bon, si elle me le dit avant que je monte la vidéo, je vous l'écrirai là. Enfin voilà, bon bah écoutez, je parle. Là, je vais aller faire les lits. Et puis c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Ça brûle, mais mets-le dedans, c'est trop chaud. Il faut souffler. Voilà, c'est bien. Et ben oui, c'est trop chaud. Quand c'est chaud, il faut souffler. Le bobo. Tu t'es fait mon amour. Le bobo. Donc voilà, bah écoutez, je vous dis bah, à de suite. Puis si je vais chez Action, je montrerai ce que j'ai trouvé. Je suis partie chez Action vendredi en allant chez ma belle-sœur. J'ai trouvé deux paires de lunettes de soleil. Donc attendez, bougez pas, je vais les chercher. Donc voilà. Donc en fait, j'ai trouvé ces deux paires de lunettes. Je crois que c'était 1,27€. Attends, maman, elle va essayer. Donc j'ai pris celle-ci. Franchement, j'aime trop les lunettes de soleil. J'ai pris celle-là. Ouais, franchement, j'aime bien. Et j'ai pris celle-ci. Pareil, le même prix. Alors, ça ne vaut pas des lunettes, bien sûr, de marque. Attends, mon chéri, je vais te montrer après. Et celle-ci. Font très star, celle-là. J'aime beaucoup. Tu veux essayer? Ah, attendez, on va vous montrer à bébé. Bon, vous regardez pas, il mange. Hein, donc, il a plein de sauce tomate partout. Oh là là, la star. Oh, alors ça, alors il y a celle-ci et les autres. On va essayer les autres. C'est notre mannequin. Viens là, chérie. Oh là, alors là, celle-là, elle lui vend bien. Alors là, une star. Ah là là. Bon, allez, sur ce, on va vous laisser puis on vous reprend après. Ok, allez, à tout à l'heure. Montrer, ce sont ces deux produits que j'ai utilisés. Donc ça, c'est le contour stick. Donc ça se présente comme ça, je vous avais déjà montré. Là, j'ai fait des petits points, après j'ai estompé. Et pareil, ça, c'est le highlighter stick, pareil. Donc j'ai mis un petit peu là et un petit peu sur l'arête du nez. Et franchement, j'aime bien. Il nous manque juste le blush, on ne l'a pas trouvé. Donc c'est ça que j'aimerais aller chercher aujourd'hui, si je trouve. Et puis voilà, donc bah écoutez, je crois que ma fille a rangé ses tiroirs. Oui, donc mon bébé d'amour ça, pas le premier. Je vais vous montrer, elle va râler, je vais vous montrer, mais je tourne la caméra. Tout c'est bien rangé et tout, j'ouvre le troisième pareil. Et là je dis tiens, je vais regarder le premier. Iliana, il y a comme un petit souci là. Regardez-moi ça. C'est ses lunettes quand elle était petite. C'est trop mignon. Bon, ben là, c'est le bazar. Ensuite, on va voir le quatrième. Ah, ça, c'est toutes les cochonneries d'Iliana. Et là, ah ben là, c'est bien. Bon, on a le quatrième et le premier. Là, il faut revoir. Hein. Là, Iliana, regardez-moi ça, ces petits bracelets, les Girondins de Bordeaux. Donc, voilà. Bon, ça... C'est à moi, je vais le ramener dans la salle de bain, hein, parce qu'elle me vole mes affaires, mais elle ne les range pas à leur place. C'est ma petite fille, ça c'est ma petite princesse. Hein. Hop, donc ça c'est le dissolvant que j'ai acheté chez Action, il est très très bien. Et ça j'ai récupéré ça de chez ma maman, je mets mes cotons à l'intérieur. Donc voilà, bon bébé m'appelle, je vais le retrouver. Direction Action et ensuite Lidl. Parce que comme on a des glaces à faire, on ira à Lidl en dernier. Et voilà, bébé, il est là. Tu fais coucou? Au jeu. Et au jeu, si t'es sage. Bon, allez, c'est parti. Ça y est, on revient des courses et de Action. Il fait hyper chaud dehors. Je pensais pas, j'avais mis un pull, mais franchement, j'ai eu chaud. Je vais vous montrer vite fait ce que j'ai trouvé chez Lidl. J'ai pris, je vais pas m'attarder et tout, c'est vraiment vite. Du pain demi-tranché pour Kendall, des tranches de poulet rôti. Alors, on est venu pour ça, donc je vais vite les mettre au congélo. J'ai pris des cônes à la fraise et à la vanille, il y en a 6. J'ai pris 6 cônes caramel salé, Kendall aime bien. Et 6
bonne à la vanille. Donc voilà, j'ai une tête de folle, j'ai les cheveux tout comme ça. Ensuite, j'ai trouvé ça, c'était en promo, des petits biscuits. J'ai pris 3 poivrons, des petits de crème. Ça, je le mets en cadeau. Vous savez, avec l'application Lidl Plus. Donc, j'ai pris ça, j'ai pris les petits yaourts à mon mari. Ensuite, j'ai pris tout ça de petites mozzarella. Ça, on adore ça avec Iliana et tout. Donc, on va se faire sauce tomate mozza. J'ai repris du parmesan parce qu'il en faut toujours. J'ai pris 3 avocats. C'était à 89 centimes. Donc, franchement, ben, hop, je vais les ranger de suite, juste à côté. Voilà. Ensuite, en moins de 30% date courte, j'ai trouvé 2 poulets émincés à la mexicaine. Donc, ça, je vais le faire ce soir. Ensuite, j'ai pris une bûche de chèvre, 2 pâtes à pizza. Avec l'application Lidl Plus, il y en avait une qui était à moins de 40%. Oui, les glaces, j'ai acheté 1 pâte brisée. Je vais te donner. Après, je me suis pris un contour des yeux. Franchement, crème contour des yeux atténue et réduit les rides. Hein. Ben, faut commencer hein, parce que vous voyez, il y a des rides. Oui, des rides. Et j'ai trouvé la collection complète de Pantene Prouvé Emily Sim Paris. Donc j'ai pris le shampoing, le masque et l'après-shampoing. J'ai pris toute la gamme. Une odeur de malade. Ça sent super, super bon. Donc ça, c'est la première poche. Et la deuxième, elle est devant moi. J'ai pris du coca. Une bouteille. Vous avez vu, j'en prends qu'une pour ne pas en acheter trop et après en boire trop. Proche, excusez-moi. J'ai pris une baby pastèque, ça a bien frais là, j'adore, moi je la mets au frigo, j'adore. Et là, oula, j'ai pris un iced tea à la mangue et le deuxième était à moins 50 truc, donc je l'ai pris à la fraise. Voilà mes courses, donc je vous ai tout montré, je range vite, j'ai parlé vite là, mais c'est les glaces qui me font parler. Et après j'ai une poche d'action, je vous la montrerai plus calmement tout à l'heure. Et on va manger une glace. Allez, je range mes courses et je vous dis à tout à l'heure. Je viens de me poser, j'ai pris une petite boisson et je vais vous montrer ce que j'ai trouvé chez Action. Franchement j'ai fait 2 actions pour être précise, parce que je cherchais des lacets pour mon mari et il n'y en avait pas dans le premier. Du coup, je suis allée à un deuxième et j'ai bien fait. Alors, j'ai trouvé ceci. Un set de table. Franchement, il est trop beau. Je l'adore. Franchement, je le trouve trop beau. Pour le poser, c'est dans ce sens-là. Pour mettre un vase, même accroché au mur et tout. Il est très beau. Les prix, je vous les mettrai à l'écran parce que je m'en souviens plus du tout. Là, la boisson que je vous disais que je suis en train de voir, c'est celle-ci. Je vous l'ai déjà montré et je l'adore. Je vous en parlerai plus en détail dans les produits finis de la cuisine. Et j'ai pris celui-ci, le Passion Martini, sans alcool. Il est très bon. Donc, ça, Martini, j'en ai pris 2. Et des Moritos, je crois que j'en ai pris 5. Donc, voilà. Ensuite, bébé a voulu des petits bonbons. Donc, je lui ai pris des Mahomam. Oui, je vais te donner après, mon chéri. Donc, c'est bien. Je vais en mettre quelques-uns dans la voiture. Parce que moi, je prends des chewing-gums dans la voiture. Et comme ça, lui, il aura ses petits bonbons. Attends, j'arrive. Je finis ça. J'en ai pour 2 minutes. J'arrive. D'accord, mon cœur? Après, j'ai pris... Bon, vous savez quoi? Je vais te l'enlever de sa chaise haute. Et on recommence. Allez, à de bon, suite. Me revoilà. Alors, j'étais sur ça. J'ai trouvé un masque. Bon, c'est 60 minutes quand même qu'il faut le mettre. Donc, il faut avoir le temps. Je vais essayer de prendre le temps. C'est un peeling. Qu'est-ce qu'ils disent? Alors, au niveau de l'écriture, hein, est-ce que je vais réussir? Français. Masque exfoliant pour les talons. Formule végétalienne. Traitement complet, simple, efficace. Élimine les durillons tenaces. C'est vraiment écrit petit. Spécialement conçu pour les talons. Talons. Enrichi à l'extrait d'ananas et de menthe poivrée pour calmer la peau récemment exfoliée. Bon, franchement, si vous voulez lire, prenez le... Je vois rien. Donc bon, écoutez, j'essaierai quand j'aurai 60 minutes devant moi et ça... Hein? C'est pas facile avec ce petit monde-là. Mais bon, oui, on va essayer de prendre le temps.
Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé? Alors ça, j'aime beaucoup, je plonge dans mon sac. Ce sont des petits mélanges de croûtons et de graines de tournesol. J'aime bien mettre ça dans les salades. Et ça, graines et tomates séchées. Donc, c'est deux petites. Je crois que ça vaut 99 centimes le paquet, ce qui me semble. Il y a 75 grammes. Et franchement, ils sont bons les deux. Je les ai pris l'année dernière, je les aimais beaucoup. Donc, ben voilà. Ensuite, quelque chose d'utile que je n'avais plus. Ça, du lave-toilette. Donc, ben, je vais l'utiliser de suite après. Je vais nettoyer mes toilettes. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé de bien? Ah, j'ai trouvé des pépites après. Je vous montre déjà, j'ai pris ça. Donc, j'ai pris une assiette citron. Parce que la dernière fois que j'étais allée, il y avait resté une assiette citron, mais elle était abîmée, donc je ne l'ai pas prise. Et on a pris la petite fraise pour mettre dans ma cuisine, pour mettre des petites choses. Alors, non, mon chéri, ça, ça casse. Donc, ça, on le laisse là. D'accord, mon chéri? Donc, voilà. Et ensuite, on va mettre ça comme ça, ça sera mieux. J'ai repris, c'était en promo de la semaine à 99 centimes, 89 centimes, je ne sais plus, une serviette pour les cheveux. Et franchement, on en a 4 avec Iliana, enfin 2 chacune. Et j'ai pris une verte aussi. J'aurais peut-être dû en prendre une deuxième, mais bon. Voilà, et elles sont comme ça. Je les adore. Je les adore. Tu les adores. Tu veux montrer la fraise? Elle vient montrer. Je veux bien vous montrer la fraise. Maman, elle n'a pas bien montré. Allez, montre-nous ça. C'est quoi ça? Comment ça s'appelle? Une fraise, et ça, ça s'appelle comment? Citron. Un citron. C'est joli? Oui. Bon, ben tant mieux alors. C'est pour aller dans la cuisine avec toutes les fraises? Oui. Oui. Direct, quand il les a vus dans les rayons, lui aussi, il a dit, oh, fraise citron. Ensuite, j'ai trouvé... Ah, ben, j'étais partie pour ça. Chercher des lacets pour mon mari, parce que ce matin, on était sur le balcon en train de boire le café. Il était en train d'attacher ses chaussures de sécurité. Et là, non mais je lui ai dit déjà, c'était pas les mêmes lacets sur les deux chaussures. Déjà moyen. Et il y en avait un, il était mais à la limite de craquer. Je lui ai dit, mais c'est un peu dangereux si tes chaussures de sécurité ne tiennent pas. Il me dit, oui, mais j'ai pas trouvé de lacets. Il a pas le temps, à vrai dire. Donc, je lui ai dit, écoute, je vais aller voir si j'en trouve. Donc, c'est pour ça que j'ai fait un deuxième action. Parce qu'il voulait des lacets plats. Alors, ce sont des lacets de 150 cm, il me semble, parce que Idriss est parti avec. Et voilà, donc je me suis dit pourquoi pas. Ensuite, donc là, vous voyez, il y a toutes mes canettes, j'en ai partout. Et après, c'est rayon beauté. Alors, déjà, rayon beauté, j'ai trouvé deux brumes comme ceci. Alors, ça serait des dupes de je ne sais quoi, mais ça sent bon. Alors, les crèmes hydratantes, excusez-moi, je vous fais une petite aparté. Je mettrai une photo là, s'il reste sur le site la photo. Apparemment, c'était des dupes de je ne sais quoi. Honnêtement, ça sentait rien. Je les ai données à ma maman. Alors, ma maman les adore parce que ma maman, elle a eu un accident et en fait, elle a des cicatrices pas jolies, jolies. C'est pour ça qu'elle marche avec une canne. Mamounette et sa canne. Et donc, du coup, tiens. Mais c'est le même. Ça. On va pas y arriver. Heureusement que j'ai fait le haul dans un vlog parce que je vous dis pas autrement... Mais moi, j'aime pas les bonbons. Je suis quelqu'un qui n'aime pas les bonbons. J'adore le chocolat. Alors ça, le chocolat, chocolat de Noël. Les grosses boîtes, là, vous savez, avec plein... Pff, c'est mes préférés. Franchement. Et mais les bonbons... C'est ça, je vais en prendre un de temps en temps. Mais alors, franchement, c'est pas... Mais bon. Donc, voilà, revenons à nos moutons, enfin, à notre crème. Et eh bien, moi, j'ai pas aimé l'odeur. Il y en a non plus. Oui, c'est un bonbon. Donc, mais prends-le. Tu veux que je l'ouvre? Oui. Dedans. Oui. Dedans. Idriss, un sacré numéro, lui. Dedans, bonbon. Merci, maman. C'est bien. Donc, du coup, la crème, on va y arriver. La crème, je l'ai donnée à ma maman parce qu'Iliana n'aimait pas l'odeur et moi non plus. Et bien, ma mère m'a dit que l'odeur, elle me dit, ça sent pas grand-chose. Par contre, elle les trouve hyper hydratante, que sur ses cicatrices, elle sent vraiment que ça les nourrit, elle les adore. Donc, je suis bien contente de vous avoir acheté les deux pots, on lui a donné. Et donc, du coup, je crois que c'est à peu près la même gamme, s'il me semble bien. Donc, c'est une brume pour le corps et pour les cheveux. Alors, ça, vous savez que j'adore, hein. Mais ça sent bon. Sans mon fils. Alors, ça, c'est à l'ambre. Attends, est-ce que c'est écrit en français? À l'ambre et au caramel salé.
Oui, d'accord. Et ça, c'est au coco milk et pink rose. Non, mais ça sent trop bon. Ça, là, je vais les cacher parce qu'Iliana va me les voler. Ça, tu veux sentir? T'as pas senti celui-là? Il sent tout. Ça, c'est les lacets, voilà. Donc, ce que je vous disais, vous voyez, ce sont des lacets plats. Et mon mari n'en voulait pas des ronds. Donc, voilà. Donc, je lui ai trouvé. J'espère que ça ira. 150 cm. Le père pas le deuxième. Remets-le dans la boîte. C'est parce que c'est pour papa. Et ensuite, au rayon beauté, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris un sérum comme ceci. Elisa Jones. Attends deux secondes, chérie. Alors, qu'est-ce qu'ils disent en français? Ça serait pas mal. Voilà. Sérum visage et décolleté au collagène gold et collagène. Ok, appliquer une petite quantité sur les mains, faire pénétrer en massant pour une utilisation quotidienne, procéder par traitement de 3 semaines pour obtenir de meilleurs résultats. Mais écoutez, moi j'adore tout ça, là, les crèmes, les sérums. En fait, c'est toute la journée, je cours, je m'occupe des enfants, de la maison. Tiens mon chéri, je te donne la boîte. Non, ça c'est à maman, regardez, c'est comme ça. Donc, oh, ça, il y a comme des paillettes. Je sais pas si vous verrez bien. Non, je pense pas. Peut-être un petit peu, si. Donc, du coup, comme je vous disais... Non, Idrissa, maman, donne-moi la boîte. Donne. C'est pas évident de tous les jours, moi, je vous le dis. Est-ce que Idriss, il a besoin d'un sérum pour ne pas avoir de rides? Oui. Oui, oui. T'as des rides? Oui. Oh, mince alors, c'est pas de chance. Donc ça, j'ai trouvé. Et dernière chose au rayon beauté que j'ai trouvé, ma fille va rentrer de l'école, elle est trop contente. J'ai trouvé cette gamme-là. Voilà, donc c'est des highlighters. J'ai pris les 3 teintes qui existaient. Le 170 Shine Bright, voilà. Le 172 Luminous. Et le 178 Glow Witter. Alors, on va en ouvrir, hein. On va ouvrir celui-là pour voir comment ça se présente. En tout cas, j'espère que ma fille va être contente. Attention, mon chéri, de ne pas te faire mal. Hein. Ah, tu mets toutes les canettes sur la table, ouais, t'as raison. Mon petit assistant. Alors, comment ça? Comme ça, déjà, le packaging, joli. Ouais, une petite odeur, et voyez, ça se... Oh, j'adore. Moi, je suis une gosse, moi, avec le maquillage. Oh, il est magnifique. Je ne sais pas si vous verrez bien. Non, vous ne voyez rien. C'est vraiment dommage. En tout cas, c'est trop, trop beau. Ça sent bon. Enfin, ça ne sent pas plus que ça. On va tous les mettre. On va voir. Ça. Ça, mais prends-le. Tiens, t'en as un là. Ici, là. Non, tu l'as pris? Là. Là-dedans, tu peux l'ouvrir. Après, on a le... Mais celui-là, c'est dommage que vous ne voyez pas. Voyez là, un peu là. Là. Voilà, vous voyez. Trop beau, hein? Après le rose, bon, on va tout ouvrir de toute façon. Je ne vais pas garder les boîtes. Hein. Je pense que ma nénette va être contente. Oh, il est beau celui-là, il est tout irisé, je le trouve magnifique. Oh, wow, c'est magnifique. Oh, j'adore. Alors celui-ci, alors est-ce que vous verrez? Vous savez quoi, je vais baisser la caméra, peut-être que vous verrez mieux. Alors, on va... Mais on voit rien du tout. Bon, vous savez quoi, je vais les swatcher et on va aller à la lumière du jour pour voir. Donc, je vais swatcher celui-là aussi. J'ouvre ça délicatement, bien sûr, comme d'habitude. Hein. Oh, c'est trop beau. Franchement, c'est trop joli. Oh, c'est beau. Non, c'est pas pour les garçons, c'est pour les filles. Enfin, c'est pas pour les garçons, c'est pas pour les filles. Il y a bien des garçons qui mettent de la lighter et ça ne pose aucun problème chez moi. Allez, on va voir ça à la lumière du jour, je vous embarque. Trop beau. Franchement, je suis très contente. Ils sont bien crémeux, donc bah écoutez. Hein. Franchement, je suis trop contente de les avoir trouvés. Je pense que ça va aller dans la chambre d'Iliana, mais que comme ce matin, je vais me servir, hein, il n'y a pas de raison. Je n'ai rien rangé en partant ce matin. Je me suis préparée, j'ai préparé bébé, et puis on est allé, vous voyez, les lits ne sont pas faits. Petit clin d'œil à une abonnée qui se reconnaîtra, et j'ai pas fait le lit de ma fille. Voilà, il y a qu'elle et moi, on comprendra. C'est vraiment mignon, parce qu'un jour, elle m'a laissé un petit commentaire en me disant que, bah, que ma fille était grande, que je pouvais la laisser faire son lit. Elle le fait parce que ce week-end, elle a fait, j'ai pensé à toi de suite. Et, mais comme elle se lève tôt le matin, bah,
buffet. Puis maniaque que je suis, j'essaye de lever le pied, comme je vous disais la dernière fois, parce que bah, c'est mon médecin qui me l'a demandé, hein, tout simplement, parce que bah, je suis très fatiguée, que là, Idriss va reprendre l'école en septembre, enfin, va commencer l'école en septembre, mais que moi, il va falloir que j'aille travailler, parce que bon, il faut de l'argent, hein, quand même. Il n'y a pas que mon mari qui travaille, il va falloir que j'y aille. Donc, elle m'a dit, profitez de ces derniers mois qui vous restent pour souffler, prendre le temps. Je ne sais pas faire ça. Je ne sais pas. Je cours tout le temps, je suis à 1000 à l'heure. Même ma mère me dit, tu comprendras avec l'âge. Parole de vieux. Bisous, maman. Tu comprendras avec l'âge qu'il faut lever le pied. Et c'est vrai que les derniers événements qui se sont passés la semaine dernière... Ben, je me suis rendu compte qu'on est peu de choses et qu'à tout moment, ben, peut arriver malheur. Et c'est vrai que pendant la cérémonie de la mamie de mon cousin et de ma cousine, ça m'a fait mal au cœur parce que je la connaissais, que c'était une très gentille personne. Et qu'en sortant de l'église, j'ai regardé ma maman et j'ai dit, toi, t'as pas le droit, me fais pas ça, quoi. J'ai fondu en larmes parce que, ben, voilà, ma maman, c'est vraiment tout pour moi, c'est vraiment mon pilier. Et je vois pas mon papa. C'est son choix. Ouais, écoutez, moi, je n'oblige personne à me voir. Mais bon, voilà, je vis très bien, je vais très bien. Tout va bien dans ma vie. Hein. J'ai mes enfants, mon mari, ma mère. Voilà, ça me suffit. Donc, ben voilà, ma maman, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est toujours là pour moi. Qui, dès que j'ai besoin d'aide avec les enfants, répond présente. Que, voilà, c'est... Pour mes enfants, c'est une mamie extraordinaire. Franchement, alors Kendall, Iliana et Idriss ont une autre mamie. Hein. Elles sont super, elles aussi. Mais c'est vrai que, ben, par exemple, je vais parler pour Idriss. Sa mamie habite au Niger, donc il a vu qu'une fois. Mais vraiment, j'ai la chance d'avoir une belle maman comme j'ai. Parce que franchement, elle est trop gentille, je l'aime trop. Elle le sait pas, hein, je lui ai pas dit. Mais bon, voilà, je l'aime trop. Et c'est vrai que ben, j'ai ma maman, quoi. C'est... Enfin... Voilà, même quand elle part de la maison, mes garçons pleurent. Bon, Kendall ne pleure plus, mais bon, il n'est pas très content. Et puis, il essaye de gruger pour partir chez mamie. Et Idriss pleure. Il hurle. Oh là là, mamie part, c'est le drame. Mais, pardon, excusez-moi. Ouh là là. Donc, ben voilà. Donc, j'essaye de lever le pied. Donc, je n'ai pas fait les lits. J'ai préféré privilégier, chercher les lacets de mon mari. Et faire 2-3 courses, parce que mes enfants n'avaient plus de glace. Et voilà, donc comme je vous ai dit, tout ce qui est maquillage et tout, en fait, toute la journée, je pense à faire le ménage pour la maison. Ça me fait plaisir, hein. Faire à manger pour que tout le monde mange, pour que mon mari ait une gamelle le lendemain pour travailler. Que mes enfants manquent de rien. Enfin voilà, je pense toujours à plein de choses. Et c'est vrai que le moment où je suis dans la salle de bain, où je prends ma douche, je fais mes petits soins, alors ça dure pas énormément de temps parce que je reste jamais trop longtemps. Mais c'est des moments où je souffle un peu. Et voilà, c'est tout bête. Mais un petit sérum, un petit contour des yeux, ben moi, ça me fait plaisir parce que c'est à des moments où je prends le temps. Mais bon, le masque des pieds à 60 minutes, ça va être long. Ou je le fais le soir. C'est pour ça que le soir, je me couche très tard aussi. Comme ça, je profite. Enfin, voilà. Vous avez vu ce beau miroir? Oh là 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 là, il est trop beau. Je suis trop contente. Et là, à la fin du mois, d'ici 15 jours, Iliana aura ses commodes. Ici, moi, je vais récupérer un meuble de chez ma mamounette pour mettre dans la salle de bain parce que ma commode est morte. Franchement, elle est morte. Elle a 14 ans, je crois que je vous l'avais déjà dit. Donc, voilà, voilà. Donc, à un moment donné, hein, ça suffit. Je voulais vous parler un peu plus en détail. Attendez, je pose mon trépied, je reviens. Je voulais vous parler un peu plus de ça parce que j'ai fait mon retour de course, franchement, en quatrième vitesse. Alors, donc, du coup, j'ai pris les trois choses qu'il y avait en rayon. Donc, on va commencer, je pense, ça, c'est quoi? Sérum nutritif pour reconstruire vos cheveux abîmés de l'intérieur. Donc, ça, c'est l'après-shampoing. Et l'odeur, ça sent trop bon. Franchement, j'adore. J'ai pris donc l'après-shampoing. Ça, ça doit être ben, le shampoing. Découvrez, nanana, ninana, nanana. Alors, un sérum nutritif pour vos cheveux. Ah, oui, formule de shampoing. Donc, ça, c'est le shampoing. Et c'est pareil, l'odeur est la même. Oh, c'est dommage que je ne puisse pas vous faire sentir, ça sent trop trop bon. Et j'ai pris le masque également. Écoutez, je pense que ça peut nous faire que du bien à Iliana et à moi et mon grand. Parce que mon grand a des cheveux maintenant un peu plus, donc voilà. Idriss et mon mari,
concrètement, ils n'ont pas besoin. Enfin, je pourrais leur faire des soins. Je sais que ma maman, quand Idriss va chez elle, elle fait des soins de cheveux. Mais bon, déjà qu'Idriss n'est pas fan de la douche, on va être honnête. Il hurle sous la douche, il n'aime pas. Il n'aime pas ça. Alors qu'on était allé samedi au lac, il adore. Mais bon, il faut qu'on le porte dans les bras quand même. Oui, c'est vrai. Mais bon, bref. Donc voilà, donc je suis super contente. Et le contour des yeux, franchement, je ne sais même plus où je l'ai mis là. Appliquer le soir, le soin matin et soir en tapotant légèrement autour des yeux. Et en général, ça a une forme un peu... Voilà, vous voyez, une petite forme comme ça. Donc voilà, nouvelle petite chose à mettre. Écoutez, je pense vraiment à vous faire ma routine du soir et du matin. Alors le matin, c'est vrai que j'y pense pas trop, mais bon. Après voilà, moi je suis team douche le soir, parce que le matin j'ai pas le temps, la journée j'ai pas le temps, et que le soir ça me permet de, comme je vous ai dit, de décompresser, et ça fait du bien. Donc écoutez, là ce que je vais faire, il est je ne sais pas quelle heure, je sais pas, il doit être 15h ou presque 16h. Je vais finir de ranger mes achats actions qui sont restés sur la table. Et ensuite, je vais étendre une machine qui vient de terminer, relancer une autre machine et ranger une panière de linge. Et je pense que ça suffira pour aujourd'hui, que les lits, je ne les ferai pas. Et puis voilà, je pense que ma maman, quand elle va entendre ça, va être contente. Oui. Alors moi, c'est un peu plus compliqué, je vous avoue que c'est très compliqué, je ne le ferai pas tous les jours. Mais je me suis dit, une fois par semaine, tu lâches. Bon, là, j'ai lâché hier et aujourd'hui, mais ça fait pas de mal. Et puis voilà, donc vous me direz ce que vous en pensez, vous, si vous êtes plutôt non, lâche pas, il faut toujours être à fond, ou oui, on n'a qu'une vie, il faut prendre son temps. Allez, vamos, vous avez vu mes ongles? C'est ceux de chez Action, je les aime trop. Franchement, ceux-là, je les aime trop, ils les font plus, ceux-là. Ouais, c'est vert avec des paillettes dorées, des vrais ongles de fille. J'attends une commande de Timu, ou Timu, je sais pas comment on dit. C'est pas un partenariat, hein. C'est avec ma carte bleue, comme dirait une ancienne youtubeuse, enfin toujours. Hein. J'ai commandé des faux ongles, bien évidemment, et deux petites trois bricoles. Donc je vous montrerai lors d'un haul ou dans le vlog. Dites-moi si vous préférez que je fasse le haul. Par exemple, là, je vous ai fait le haul action dans la vidéo. Est-ce que vous préférez que je vous fasse une vidéo dédiée au haul ou que je vous mette tout en même temps et je vous le notifie dans la miniature de toute façon quand je fais le haul. Et puis voilà, parce que j'ai vu que les hauls fonctionnent bien, mais les vlogs commencent à un petit peu marcher. Par contre, les retours de course, vous avez pas l'air d'aimer trop, donc c'est pour ça que je vous les mettrai dans les vlogs maintenant. Parce que voilà, bon. Après j'achète souvent la même chose, hein. Enfin... Mais bon, après, comme je vais vous faire des produits fines de course, c'est là où je vous parlerai, vous voyez, les trucs beauté, je vous montrerai ça, je vous en parlerai de mon ressenti. Mais tout ce qui est les cannes, les nouvelles canettes, les sauces, les machins, je vous mettrai, j'en ai déjà mis de côté. Donc voilà, bon, je parle comme d'habitude. Et là, je vais aller étendre mon linge et ranger mes produits de Action. Merci d'avoir regardé ma vidéo. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Bye bye!